Six sauteuses, six circulaires, six sabres, le choix est vaste. Si chacune possède ses caractéristiques et son utilité propre, vous devrez choisir l'outil qui vous sera le plus utile au quotidien et faire quelques compromis bien pensés pour vous équiper en restant raisonnable. Les six sauteuses sont les plus connues et les plus faciles à utiliser de par leur faible poids, entre 1 et 2 kg, et leur maniabilité. Elles s'adaptent à tout type de sillage, surtout celles équipées d'une semelle inclinable jusqu'à 45 degrés qui facilite les coupes en biais. L'ergonomie de la poignée, à pommeau ou à anse, permet une bonne tenue de la machine et un guidage optimal pour les coupes. Certaines sont également munies d'une soufflerie qui évacuera la sciure du trait de coupe pour une plus grande précision. Les six sauteuses sont équipées d'un moteur à variateur électronique qui permet d'adapter la vitesse de sillage aux matériaux à travailler. Les vitesses les plus rapides sont utilisées pour les matériaux tendres et les vitesses faibles pour les matériaux durs. Attention toutefois à bien choisir la lame. Les lames varient selon le matériau. Bois, métal, fer, faïence, mais également en fonction de la finesse de la coupe désirée. Les coupes fines nécessitent un nombre de dents important, contrairement aux coupes plus grossières. Vérifiez également la taille de la lame qui doit être supérieure à l'épaisseur du matériau scié. Certaines scies sauteuses possèdent aussi un mouvement pendulaire. La lame va effectuer un mouvement de balancier, imitant le sillage manuel pour faciliter la coupe. Il existe aussi des systèmes de récupération des sciures afin de garder votre espace de travail le plus propre possible. Petit rappel, pensez à utiliser les guides de coupe ou à poser vos propres règles de guidage pour un rendu parfait. Si le matériau à découper présente une face décorative, travaillez toujours sur l'envers. En fin de travail, vous pouvez nettoyer la poussière de bois avec un pinceau ou à l'air comprimé. Plus robuste et plus puissante, la scie circulaire est l'outil idéal pour réaliser des coupes droites dans le bois et ses dérivés, mais aussi dans les plastiques. Il suffit de choisir la lame adaptée au matériau. Sa puissance permet de scier des épaisseurs importantes. Plus le diamètre du disque est grand, plus la coupe sera profonde. Les scies circulaires sont toutes équipées d'un réglage de profondeur de coupe. Autre critère de choix, la semelle. Plus la semelle est large, plus la scie est stable. Elle peut également être inclinable jusqu'à 45 degrés pour des coupes biseautées. Comme tous les matériels coupants, manipuler des scies circulaires demande prudence et concentration. Pour travailler en toute sécurité, la lame est protégée par un carter automatique dès qu'elle n'est plus engagée dans le matériau à découper, tandis qu'un frein permet l'arrêt instantané du disque. Mais il est indispensable que le panneau à découper soit solidement fixé au plan de travail. Pour plus de confort, il est recommandé de travailler sur une table à scier. Les six sabres s'apparentent à nos scies Egoin traditionnelles, mais en version électrique. La scie sabre est l'outil polyvalent par excellence. Elles sont aussi utiles pour le jardin que pour la rénovation et tout type de chantier. Avec une lame adaptée, les six sabres ont la particularité de couper de nombreux matériaux, bois, briques, béton cellulaire, PVC et même l'acier et le zinc. Atout supplémentaire, la scie sabre offre un grand confort de travail. Elle est légère, facilement maniable, avec un faible niveau de vibration et de bruit. Sa lame peut être utilisée dans les deux sens et sa vitesse est variable en fonction des matériaux découpés. Dans tous les cas, et quel que soit le type de scie utilisée, pendant les travaux de sillage, vous devez protéger vos yeux des projections et ne pas porter de vêtements trop amples qui pourraient entraver vos mouvements.